志村けんです。Salut la compagnie, on se retrouve cette semaine pour parler d'un jeu absolument particulier sorti sur PC Engine en 1987 au Japon et en 1989 aux États-Unis, sous le nom aux États-Unis de Gigi and Jeff, édité et développé par Hudson Soft, un petit jeu de plateforme particulier qui paye pas de mine, mais qui va payer absolument par son humour et son ton totalement décalé. Katon-chan Ken-chan est un jeu issu d'un show télévisé très populaire au Japon qui s'appelait Gokiden TV, qu'on pourrait traduire par l'amusement, la légèreté. Voilà, un show qui se prend vraiment pas au sérieux, qui a été diffusé entre janvier 1986 et mars 1992. Et je le répète, un show extrêmement populaire. Et ses deux présentateurs, Kenshimura et Chakato, étaient deux stars. L'émission était diffusée sur la chaîne Tokyo Broadcasting System. Et c'était un show, comme je le disais, totalement irrévérent et satirique, qui se moquait un petit peu du Japon des années 80. Parsemé de sketchs, d'humour très pipi-caca, très sexuel pour certains sketchs. Voilà, c'était un show typiquement pour adultes. Et ça pourrait s'apparenter un petit peu à ce que nous, on a connu en France aussi dans les années 80, entre, par exemple, le Colari Coco Show, voilà, des émissions style Stéphane Colaro, ou Benny Hill en Angleterre. Ce ton satirique est très particulier de l'émission. C'est très difficile à décrire, donc je pense que la meilleure solution, c'est que je vous en montre un extrait tout de suite pour vous illustrer un petit peu à quoi vous pouvez vous attendre en regardant ce genre de show. Voilà, de l'humour totalement absurde, totalement what the fuck. Et encore, là je vous ai mis un sketch ultra soft. En bonus, après le générique de fin, vous verrez, je vous mettrai un autre sketch un petit peu plus hardcore. Et encore, j'irai pas dans les sketchs les plus hardcore. Donc ce duo comique repose sur un style très populaire au Japon qu'on appelle le style manzai. C'est une forme de comédie qui en général implique un duo comique. Il y en a un qu'on appelle le tsukomi, donc qui est plutôt le personnage sérieux et intelligent, et l'autre le bokeh, qui est un personnage un petit peu idiot, outrancier, un petit peu frustre. Voilà. Alors, le problème de ces sketchs et de ce jeu, du coup, c'est que ça repose la plupart du temps sur des blagues et des quiproquos en japonais. Donc du coup, pour nous occidentaux, c'est assez incompréhensible. Donc là, je vous ai mis par exemple des sketchs plutôt visuels, voire traduits. Mais voilà, c'est-à-dire que le jeu, vous allez un petit peu capter l'essence de l'humour, mais vous allez voir que le jeu est parsemé de dialogues avec des jeux de mots assez drôlatiques que nous, malheureusement occidentaux, nous n'avons pas la possibilité de comprendre. Vous verrez quand même que ce jeu repose sur aussi de l'humour très simple et assez international, ce qui nous paraît quand même d'apprécier ce jeu et cet humour. Donc au niveau de l'histoire, on incarne un détective qui doit élucider une disparition. Donc vous allez pouvoir choisir au début du jeu un des deux personnages, soit Kato, soit Ken-chan. Dans un univers, comme je disais, complètement pipi-caca, avec des ennemis complètement absurdes, tels que par exemple des oiseaux qui vous font caca dessus, des mouches à merde ou plein de choses de ce genre, vous allez voir, des choses complètement idiotes. Votre compagnon que vous n'allez pas sélectionner au départ, vous allez voir, il va se balader un petit peu de temps en temps dans les niveaux pour vous procurer des scènes un petit peu bêtes. Notamment, par exemple, pendant un moment, vous allez le surprendre, comme vous avez pu voir au début, en train de faire caca derrière les buissons ou pipi contre un arbre, etc.
C'est des petites scènes qui servent totalement à rien dans le gameplay, qui sont juste là pour retranscrire l'univers un petit peu de cette émission, comme je vous expliquais au début, totalement scatologique. Ce qu'il faut savoir par contre, je fais une petite parenthèse, c'est que tout cet univers que je vous décris depuis le début, dans la version américaine qui est Gigi & Jeff, a été complètement censuré. C'est-à-dire que tout l'intérêt de ce jeu n'existe plus dans cette version-là. Ce jeu ne brille pas, comme on va le voir, hein, je vais vous expliquer par son gameplay ou par des choses, voilà, par des mécaniques de jeu originales. Les mécaniques de jeu, en plus, je fais une parenthèse dans la parenthèse, sont pas du tout originales dans le sens où elles reprennent par exemple totalement le gameplay de Wonder Boy. Vous avez une barre de vie qui fait, au fur et à mesure du temps, va diminuer toute seule, même quand vous ne faites pas toucher, et il va falloir manger des fruits ou des choses comme ça pour pouvoir regagner de la vie. Éventuellement, comme vous avez pu le voir, si vous tombez à un moment sur une scène isette, là, sur des toilettes publiques, si vous rentrez dans les toilettes publiques, ça vous fait également regagner de la vie. Mais donc, comme je vous disais, tout cet univers absurde a été censuré de la version américaine. Du coup, ça devient juste un jeu de plateforme bidon. Voilà, pas drôle, pas amusant. Donc, je passe totalement sur l'adaptation américaine qui n'a plus aucun sens à mon goût. Du coup, avant d'attaquer et de vous expliquer plus en profondeur les problèmes de gameplay ou les choses comme ça, je vous propose la traditionnelle coupure pub. Voilà, donc revenons un petit peu au gameplay de ce jeu. Qu'est-ce que je vous ai pas dit encore ? Donc ce jeu se décompose en niveaux relativement classiques, c'est du jeu de plateforme, tout ce qui est plus banal, dans le sens où vous allez avoir le niveau de la forêt, le niveau des égouts, le niveau de la plage, etc. Voilà, comme je vous expliquais, vous allez rencontrer vos acolytes plusieurs fois dans le jeu, donc ça c'est pas vraiment du gameplay, c'est plutôt les petits à côté assez drôles. Donc au niveau du gameplay, tout à l'heure j'ai bugué sur un truc là, je vous ai parlé de Wonder Boy, en fait je voulais dire Adventure Island, c'est-à-dire que à l'instar d'un Adventure Island, votre vie diminue petit à petit et vous allez devoir la regagner en mangeant des fruits, voilà. C'est relativement simple, sincèrement je suis jamais mort dû à ça, dû au temps. Si je suis plus mort dans ce jeu, et là je vais en venir à un point crucial, c'est au niveau de la maniabilité de ce jeu-là. Ce jeu-là, c'est simple, vous dirigez une savonnette. Votre personnage, vous allez passer votre temps à tomber dans les trous parce qu'il glisse tout le temps. C'est comme si vous aviez un jeu, dans tous les jeux de plateforme, vous avez le niveau de la glace qui est plus difficile que les autres parce que vous glissez. Et bien ce jeu-là, c'est un niveau de la glace permanent. Vous sautez, vous glissez. Si vous n'avez pas le réflexe de revenir en arrière très rapidement pour faire un dérapage, vous tombez. Le problème, c'est que sur des petites plateformes, quand vous faites le retour en arrière pour éviter le dérapage, vous tombez de l'autre côté. Donc vous allez passer votre temps à faire du freinage, du drift, voilà. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, vous allez passer votre temps à faire du drift. C'est très difficile. Vous ne disposez que de 3 vies. Donc, des vies qui partent relativement vite. Heureusement qu'il y a un petit trick, un petit cheat code qui permet d'avoir des continues, parce que sinon, c'est impossible de finir le jeu avec 3 vies. Donc, je vous le donne, il y a un petit cheat code en fait. Au moment où vous mourrez, sur l'écran du Game Over, vous appuyez sur les deux boutons de la manette et sur Run. Et du coup, ça vous donne automatiquement un continu et vous recommencez au début du niveau. Sincèrement, sans ce petit trick, vous n'allez pas y arriver. Donc voilà, vous allez faire du drift. C'est pas les ennemis qui vont vous submerger, hein, c'est pas ça. Mais c'est juste voilà, une question de contrôle qui va faire que ce jeu, vous allez vous arracher les cheveux. Heureusement qu'il y a l'humour pour compenser, parce que ce jeu en lui-même, ce serait pas Kato-chan Ken-chan, ce serait un autre jeu lambda, genre bah, Gigi & Jeff, et bah ce jeu n'aurait vraiment aucun intérêt. Au niveau des attaques, vous avez grosso modo, somme toute assez classique, à l'instar d'un Mario, pour tuer vos ennemis, vous allez soit leur sauter dessus, sur la tête avec les fesses, soit leur mettre un coup de pied. Donc le coup de pied, vous n'allez jamais l'utiliser parce que c'est très compliqué, c'est pas précis du tout au niveau des hitbox. Donc en gros, vous allez passer votre temps soit à éviter les ennemis, soit à leur sauter sur le crâne. Et en tout dernier, vous avez une attaque ultime qui est le pet. Donc en dirigeant la croix multidirectionnelle vers le bas et en appuyant sur le bouton d'attaque, vous allez vous retourner et faire un pet.
Donc l'inconvénient du PES, c'est que c'est très difficile à maîtriser. Sans mauvais jeu de mots, je vous assure, dans le jeu, j'entends, c'est très difficile à maîtriser. Par contre, si vous arrivez à tuer vos ennemis avec le PES, vous allez marquer beaucoup plus de points. Qu'est-ce qui va vous permettre aussi dans ce jeu d'avancer quand même un petit peu? Entre chaque niveau, comme vous pouvez voir là actuellement, vous allez, avec les pièces que vous avez ramassées, pouvoir jouer aux machines à sous. Avec ces machines à sous, vous allez soit remonter votre vie au maximum, soit carrément augmenter votre barre de vie. Par contre, l'inconvénient, c'est que dès que vous mourrez une fois, cette barre de vie allongée revient à la normale. La vie, ça défile très très vite quand même dans le jeu, parce que entre la vie que vous perdez due au temps et la vie que vous perdez juste en vous faisant heurter par des animaux avec des hitbox imprécises et parce que vous avez drifté, vous avez intérêt quand même à aller choper les bonus quand même, hein, parce que sinon vous allez un petit peu galérer. Également, pour renouveler sa barre de vie, vous allez voir, vous avez tout au long du jeu, à intervalles quand même relativement réguliers, des portes que vous allez pouvoir franchir, où là vous allez rencontrer votre acolyte, donc soit Kato, soit Ken selon le personnage que vous avez pris, qui va revêtir des tenues, on va dire traditionnelles ou pas, mais des tenues que vous avez vues dans l'émission. C'est-à-dire que ce jeu est très fidèle à l'émission. Toutes les tenues que vous voyez dans le jeu ont été utilisées dans des sketchs lors de l'émission. Au niveau des mimiques, au niveau des visages, tout ça, ça fait toujours référence à l'émission télé. Donc si vous n'avez pas vu l'émission télé, je vous invite quand même à aller un petit peu sur YouTube, regarder quelques épisodes, comme ça vous allez comprendre ce que j'essaie de vous dire. Donc voilà, vous allez dans ces portes rencontrer vos acolytes, un coup en ange, un coup en geisha, un coup en grand-mère, un coup en Dracula, un coup en samouraï. Voilà, donc là, la tenue fait référence à chaque fois à un sketch différent. Il y a un petit dialogue avec un jeu de mots qui apparaît, et ça vous fait regagner vos vies. Dernier élément de gameplay assez particulier, vous avez dans ce jeu ce qu'on pourrait appeler comme des warp zones. Donc soit des passages cachés, donc vous avez vu depuis le début du jeu, je m'amuse à taper dans les poteaux, à taper dans les lampadaires, etc. C'est soit pour débloquer des items, des pièces, des items bonus, des choses comme ça, de la nourriture. Mais ça permet aussi de débloquer des warp zones qui vont me permettre de gagner certaines choses. Vous avez également, au niveau de ces warp zones, vous allez voir, au niveau des, en avançant dans les niveaux, je veux dire, des ressorts. Donc ces ressorts, c'est l'équivalent des warp zones aussi. Quand vous allez sauter dessus, ça va vous emmener à un autre endroit. La plupart du temps, le ressort va vous faire avancer plus loin dans le niveau et éviter que vous vous tapiez tout un tas de plateformes relativement compliquées. Par contre, vous avez des ressorts pièges. C'est-à-dire que moi, quand j'ai joué là, dans la partie que vous voyez, je me suis fait avoir. C'est-à-dire que j'ai pris un ressort qui m'a ramené au niveau précédent et j'ai dû me retaper tout le niveau avec toutes les plateformes bien casse-pieds comme il se doit. Donc voilà, il y a aussi plein de petits trolls dans ce jeu, plein de petits pièges qui me font penser un petit peu au jeu de Takeshi Kitano sur NES avec des trucs totalement absurdes qui vous énervent. Voilà, ils ont repris un petit peu de... Je trouve qu'il y a un petit peu de ça, de Takeshi dans ce jeu. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire pour conclure? Première chose, ce jeu fut un immense carton au Japon, 300 000 unités vendues. Évidemment, ça reposait sur la popularité des deux acteurs principaux du jeu, mais aussi parce que NEC, sur ce coup-là et sur d'autres jeux, a su se détacher un petit peu de ce que faisait Nintendo, notamment à l'époque dans le politiquement correct. Voilà, c'était un public très particulier, donc ça a très très bien fonctionné chez eux. Voilà. Et pour conclure et pour revenir à nous, je vous annonce que ce jeu sera le premier d'une série de jeux que j'appellerai la série Scato. Voilà. J'ai au moins une trilogie en tête que je vous proposerai, mais ça, c'est une autre histoire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi. À bientôt. Tchuss ! Ah oui, et j'oubliais, restez bien après le générique de fin pour la petite vidéo bonus. すいません。全然問題ないですから。
오오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 
起こしちゃった? すごい!